Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des personnages les plus emblématiques de la planète rugby, Monsieur Wayne Barnes. Wayne Barnes, pour ceux qui connaissent pas, c'est un arbitre international, une des pointures dans ce domaine, mais c'est aussi, d'après sa page Wikipédia, un sale petit... Quoi ? Ah ouais, mais là ils avaient complètement craqué les supporters toulousains. En même temps, il faut dire que Wayne Barnes est incontestablement l'un des meilleurs dans son domaine, mais qui nous a quand même sorti pas mal de dingueries et de moments exceptionnels au cours de sa carrière, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Déjà, je pense qu'on l'a tous en tête, et c'était la raison justement de cette page Wikipédia. Récemment, le match Toulouse-Ulster, un match qui avait fait énormément polémique. Tout le match, Monsieur Wayne Barnes avait pris des décisions assez surprenantes, on va dire, et notamment sur cette action avec l'essai de Baloukoun. Triplé. Et c'est un triplé pour Baloukoun. Un essai à venir sous les poteaux. Ah, il fait mal. Que c'est dur pour Toulouse. Voilà, ici. Donc là, il est en train de se repositionner. Vous le voyez, hein, le numéro 14 qui revient dans son camp. Il faut qu'il soit derrière les pieds du dernier joueur irlandais. Et est-ce qu'il est derrière les pieds? C'est pas certain pour l'instant. Non, non. Non, non, il est devant. Ah, il est devant. Il est devant. Il est devant. Voilà, essai accordé pour Baloukoun alors que ce dernier semblait clairement hors-jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est tellement rien à côté de ce qui va suivre. Et oui, je suis obligé d'y revenir, mais c'est le premier souvenir qu'on a en tant que supporter français avec Monsieur Wayne Barnes, c'est ce fameux France-Pays de Galles en 2017 où il nous avait sorti une disaster class. Je vous remets vite fait dans le contexte, dernière minute de jeu, mêlée à 5 pour la France, et là on est parti pour une séquence interminable. Intervention Monsieur Barnes. On va faire entrer Ramassi Mani, c'est sûr, le pilier droit du Stade français. Le changement est demandé en tout cas. Est-ce qu'il va être autorisé à entrer? Ça ne va pas écouter ce soir. Ça ne va pas écouter ce soir. L'arbitre, oui, il n'entend pas le... Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, bon, ça c'est évidemment un petit peu de malice pour pouvoir laisser revenir Ramassi Mani. Il y a une pression mise par le plan gallois. Je ne comprends pas qu'on autorise le retour de Ramassi Mani. En tout cas, c'est lui qui va disputer cette mêlée. Un match étouffant. Ils vont terminer à 14. Alors ils vont être obligés de faire entrer un joueur de première ligne pour pouvoir disputer cette mêlée. Il y a Thomas Francis qui est sur le banc. Il est derrière. Mais il est blessé. Il est blessé. Une poche de glace. Ah bah oui. Il a joué deuxième ligne. Il est talonneur. Il revient de son saignement. Et là il est obligé de se chauffer. Se réchauffe. Se réchauffer un peu avec Badwin. Qui lui est sorti tout à l'heure sur saignement. Le sélectionneur gallois est descendu au bord du terrain. Parce que là, il faut trouver des solutions. On rappelle que Pépé a eu un carton jaune, il faut revenir en joueur de première ligne, donc il faut forcément sortir un autre joueur. Alors, ce qui est affiché, oui, c'est clair, c'est lui Alphénie. C'est lui Alphénie. On est toujours sur l'avantage, une pénalité, sur la 12e minute. Le partage de la bouton est rentré. C'est monsieur Barnes qui autorise les deux joueurs gallois à entrer en jeu, un peu avant la fin de la sanction. Il n'y a jamais vu ça, non, mais c'est incroyable. Alors, Georges Barnes, il est venu voir tout à l'heure Wayne Barnes pour s'entrer une marque. Il avait au biceps. Il signale peut-être un. Des gestes, bien sûr, le temps de retrouver des images, de recaler tout ça, de proposer à M. Barnes. Pour l'équipe de France, dans un trou de souris. Oh là 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 là. Allez les bleus, la ligne est là. M. Barnes, il faut prendre une décision, et c'est... Et ça sera ça, la centième minute. Terminable. Une fin de match qui se termine tout de même bien côté français avec l'essai de Camicha, mais qui nous avait énormément frustrés. Et aujourd'hui, j'ai essayé quand même de défendre un peu Wayne Barnes, dans le sens où ce dernier ne voulait pas décider du sort du match sur cette mêlée. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un argument qui peut parfaitement s'entendre. Bon, là aussi, je vous mets la page Wikipédia après le match. Hein, ça mange pas de pain, puis nous, faut avouer que ça nous fait quand même bien rigoler. Mais bon, Wayne Barnes, ça n'est pas que des erreurs d'arbitrage. Loin de là, c'est avant tout un arbitre qui sait se faire respecter et qui n'a pas peur des autres joueurs. Peu importe à qui il a affaire. Chooses not to argue. To make it really clear, you come and ask for a yellow card, you get one. Okay, understand? Comme tout bon arbitre, il est autoritaire, prend des décisions radicales, et ça, même en pleine finale de Premiership. Final, and I cannot remember a more
dramatic finish to a half than this. Dommage Dylan Hartley, hein, la prochaine fois tu te comporteras mieux, même si bon on sait que c'est pas, hein, comme on dit, le couteau le plus affûté du tiroir. Parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. Wayne Barnes, ça sait aussi en remettre en place un joueur qui viendrait à prendre des libertés. Mais hélas, aussi autoritaire qu'il soit, notre cher Wayne Barnes n'est pas forcément toujours bien placé, et ça pour notre plus grand bonheur parce que ça nous a offert des moments de légende à nous téléspectateurs. Et pour finir, évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, je vous dis rien, c'est à mourir de rire. Et voilà, on en a fini pour Monsieur Wayne Barnes aujourd'hui. Alors bien évidemment, cette vidéo c'est avant tout pour rigoler, hein. Wayne Barnes, comme je l'ai dit, c'est un des meilleurs arbitres au monde et loin de moi l'idée de remettre en cause sa légitimité. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein, que vous avez apprécié, que vous avez rigolé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Revan, salut.